Les étapes pour ne plus subir la vie, c'est le thème d'une communication organisée au profit de tous les jeunes des églises locales de la section de Natitengu de l'église évangélique des Assemblées de Dieu dans la soirée du vendredi 11 mars 2022. Principal orateur de la soirée, Hubert Djogé, coach, formateur et conférencier, a prodigué de sages conseils accompagnés d'exemples pratiques aux jeunes pour prendre leur vie en main. Une communication de laquelle ce jeune en sort épaté, la conscience éveillée. Ce soir, je suis très contente et je suis contente que vous vous déplacez de loin pour venir nous donner cette formation. Et je suis comblée. Je crois que dès ce soir, j'ai d'autres choses dans la tête. Mes impressions par rapport à cet enseignement, c'est que vraiment, ça a changé ma tête radicalement. Et je pense qu'au niveau des jeunes aussi, ça a été la même chose. Et c'est une opportunité pour nous. Nous avons gagné beaucoup de jeux par rapport à cet enseignement. Le communicateur nous livre ses impressions à la fin de la communication. Je suis très heureux de partager ces clés avec eux. J'ai axé mon intervention sur 5 questions, à savoir, êtes-vous satisfait de votre condition actuelle? Deuxième question, d'où venez-vous? Troisième question, où allez-vous? Quatrième question, qui êtes-vous? Et pour finir, où et comment allez-vous là où vous voulez aller? Et je crois qu'ils ont suivi avec attention. Des questions pertinentes ont été posées. Mon souhait est que ces outils que je viens de mettre à leur disposition soient bien exploités pour qu'ils ne subissent plus la vie. Mais que dans 2, 3, 5, 10, 15, 20 ans, ils puissent entrer dans leur destinée parce que Dieu nous a créés avec des compétences, avec des potentialités que nous devons exploiter pour être le meilleur de nous-mêmes et ne plus subir la vie. Vivement que les jeunes mettent ces conseils en pratique pour prendre véritablement leur vie en main.